Salut tout le monde, Markraft ici, et aujourd'hui on va se faire un petit jeu qui s'appelle Golgotha, quelque chose de même, je suis pas bon en prononciation, qui est un jeu d'horreur qui devrait pas être très long encore, comme d'habitude on aime ça, des petits jeux comme ça qui se finissent en un seul vidéo, un seul playthrough de très court. Donc le jeu est basé vraiment sur l'atmosphère, il n'y a pas censé avoir de combat ni de jumpscare a priori de ce que j'ai pu comprendre, et l'idée est d'explorer une zone qui a été abandonnée pendant plusieurs décennies et de découvrir qu'est-ce qui s'est passé là-dedans, pourquoi ça a été abandonné, puis quel genre de crime ou quel genre de chose obscure qui s'est passé. Donc sans plus attendre, on va commencer ça gang et on va y aller. Alors nous y voilà, comme on a pu lire, c'est une sorte de station de métro qui a été abandonnée après des choses, des disparitions, des choses qui ont pu arriver. On va aller voir ce qui se passe. Donc, explore the station and find the exit, tap for inventory, earn lantern et escape for the menu. Merci, je viens de tester. That's it, on prend ça, on take... Lanterne, et c'est notre... Oh, bah, ça, ma source de lumière? Étant! Ok. On peut courir. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle d'habitude dans un jeu d'horreur quand tu peux courir. Mais si je dis on peut courir, d'habitude, c'est pas mal de la base. Ok, donc, on va commencer par aller dans les salles de bain. Je vois qu'il y a des petites lumières allumées au-dessus de la salle de bain des femmes. On va aller là en premier. Ça me saute aux... Ça me l'air sauter aux yeux, donc on va aller là, voir. Il y a de l'écho, là. Oh! Examiner. C'est un peu bizarre, lieu... Comme lieu de mettre un papier avec une note dans une salle de bain, c'est pas... On va juste passer. Fait que ouais, comme lieu de, pour mettre une note dans une salle de bain, peut-être pas le meilleur. Ça, il y a beau babillard ici, ça aurait pas été une meilleure idée d'être là. Eh ben, il y a une porte qui s'ouvre, on va juste continuer. On va aller par là-bas. J'aime bien le fait que je vois au loin, contrairement à l'autre corridor de merde. La musique de suspense est vraiment bien faite, vraiment bien choisie. Ça m'avantage pas en tant que joueur. Il faut trouver la sortie, mais... Ok. Mettons que trouver la sortie en allant plus profond n'est peut-être pas la meilleure des idées. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a en bas. Je suis quand même un petit peu plus brave qu'en temps normal. Je sais qu'il n'est pas censé avoir de jumpscare parce que j'ai lu les commentaires sur Steam. Fait que, à moins que tout le monde ait eu un consensus de mentir sur les jumpscare, on ne devrait pas en avoir. Fait que Central London, London Tube Railway, ok. Est-ce que vous êtes déjà promené dans les métros à Londres? J'y ai été il y a quelques années à Londres, je me suis promené en métro, je me suis perdu plus de fois qu'il faudrait. C'est juste très mêlant. Fait que j'espère que l'environnement est pas aussi réaliste que ça, parce que moi, je vais tourner en rond, vraiment. Beaucoup. Ah! Et puis là-dessus. Makes sense. I need a key. Ok, est-ce que la clé
vu que le wagon ici était ouvert, est-ce que la clé est à l'intérieur du wagon? Quelque chose me dit, gang, que quelqu'un d'autre ici. La security guard. Parfait, ça. Pourquoi est-ce que je joue à ce jeu là? Je suis en train de regretter tous les choix que j'ai fait dans ma vie. Wait. Que ça l'ouvre ça de bord. Ok, fait que qu'est-ce que je vais remonter? Oh my god, man, le son! Fait qu'on va remonter et on va aller voir s'il n'y a pas une place ailleurs que je peux utiliser la keycard que l'on a. C'est sûr que, tu sais, on a trouvé une porte barrée, une fois une clé, trouvé une carte à côté. Ah, cool, je suis sûr que c'est ça, mais finalement, non. Calisse! Moi qui regarde le téléphone pour me dire, ah, il y a peut-être quelque chose que je peux faire avec ça, il a pris ça, il sonne. Sacrement, man. La porte ici. Ouais, je l'ai pas mentionné durant mon intro que j'ai fait très rapidement, mais. Ouais, une fois que j'ai pas mentionné, dans le fond, c'est que selon la description sous Steam, la station est tentée si vous n'avez pas encore fait. 1 plus 1 ensemble, you know. Fait que c'est pour ça que toutes les choses qui se passent, c'est pas quelqu'un qui nous traque, c'est vraiment une entité qui vivrait ici. Fait que on va fouiller toutes les zones, I guess. J'ai pas envie de tout fouiller, mais vu que je dois trouver. C'est juste ce qu'il faut en ce moment. J'ai l'impression que je dois chercher vraiment toutes les pièces que je peux rentrer dedans, mais toutes les pièces peuvent juste arriver comme une affaire vraiment conne, genre la radio qui était juste là. Ça. Ok, good. Fait que je suis au moins sur le bon chemin. J'ai trouvé la carte d'accès que j'ai trouvée m'a amené ici. Ben, on va sur les photos des. Ceux qui ont l'air d'être l'entité. Donc, à côté du train, où on a entendu des pas, en fait. Dans le train, des escaliers, je sais pas, me souviens plus si c'est passé quelque chose. Je sais pas s'il y a une logique là-dedans, mais tu sais, je vois une certaine corrélation à certains endroits. On va juste fermer la porte derrière nous autres, je me sens plus à l'aise de même. La télé va tellement s'allumer. Comme de fait. Il est censé avoir quelqu'un, là. On va se le dire que. Il y aura pas personne. Hein? Ok, fait il doit y avoir quelque chose d'utile dans cette pièce-ci. Pourquoi je suis venu sinon? J'ai un mur invisible ici qui m'empêche d'avancer là. Il doit y avoir une. Il doit y avoir une clé ou quelque chose. Change channel. What the hell is this? Alright, on va sortir. J'ai rien trouvé. Fait qu'on va. On continue notre chemin. Je peux ouvrir ça ici. Je peux ouvrir la porte qui est là. Non! Notre chemin est vraiment par la blague. Notre chemin. Ça vaut ce que ça vaut, là. On va fermer la porte. Je me sens à l'aise dans une pièce fermée. Je me crois pas en tout. You don't belong here. Yeah. No shit.
shit que je devrais pas être ici. Qui est... Qui dans leur... Qui viendrait ici? C'était pas ouvert ça tantôt, non? J'aurais remarqué avoir des casiers d'ouvert. Forgive me, Gillian. Some people are not cut out for the life they are given. I'll make sure to come back. Please don't hate me. I'll give our love to Juliet when I see her. Ok. Ça dit rotate, mais je n'ai pas besoin de rotater pantoute. Fait que, désolé s'il y a de quoi que je manque derrière quelque chose. Envoyez-moi les commentaires. Oh! Ok. Ok. Il y a une belle clé là, moi c'est ça qui m'intéresse. J'espère le squelette qui est là, ça je peux pas l'ouvrir, ok, cool. Donc la clé, je présume qu'on peut aller l'utiliser en bas. Ce que je vais faire. On va juste y aller. Là il y a comme un autre vraiment qu'il y a un métro qui passe en dessous de nous autres en ce moment. C'est impossible parce que le métro il est... Mind the gap. Mais non, 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 c'est impossible, non. C'est impossible qu'il y ait un métro qui marche en ce moment. Ça fait 20 ans que le métro marche plus, là. J'essaye de sortir. Je veux même pas retourner en haut. Non, non. Juste non. J'ai une clé. Il y a une porte barrée là-bas. On va aller à la porte barrée. Ça se peut que le personnage meure. C'est pas grave. C'est mon pas. Listen to them, come find us, we're waiting. C'est qui us? C'est qui nous? Allô? Y'a quelqu'un? Shit. Je présume que je peux me pencher ou Ah, ok, c'est une cinématique. Il y aurait tellement quelqu'un derrière moi, là. À part, on va vous l'écrire, qu'est-ce qui est écrit, ou réécouter, répétition, voir. J'ai vraiment pas rien compris, qu'est-ce qui s'est fait dire. Oh, night des insectes, ça c'est cool, ça avec. Bien réussi. Le jeu a focusé sur l'ambiance. Parfait. A1. Est-ce que tu peux sortir, Gaspard? Ok. C'est tellement une bonne idée d'aller faire l'apparition fantomatique. J'ai pas d'encens sur moi. J'ai pas de crucifix. Je suis vraiment pas dans mon élément. Des fantômes. J'ai l'impression que quelque chose va me sauter en pleine face là.
C'est pas ça que j'avais en tête. Ah, nice, il y a plein de squelettes. C'est vraiment rassurant, tu sais. Moi, j'aime. C'est vraiment le fun que je connaisse ta toune que le fantôme siffle. Il faut pas te finir ce corridor-là. Oh my god! Tellement de cadavres! Mais pourquoi vous étiez ici? Il y a des lits, tout, beaucoup de lits. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tu cours plus vite! Oh my god! Il y a une lumière là-bas. C'est rassurant, mais en même temps, non. J'aime pas ça, pas tout. Elle va tellement s'éteindre. Ou flasher, puis m'avoir quelque chose. Either way, I hate it! Nice! Gagez de courage! Go! Ok, et par ici, il y a d'autres lumières. On peut pas faire le même coup deux fois, c'est impossible. On va se le dire. What the? Oh, what the hell? C'est comme un cadeau! Oh, il y a une échelle là, mais il était pas là deux secondes. Hey, t'as l'air. Notre personnage a l'air vraiment relax. Come back? Non. En ce moment, je contrôle rien. By the way, mes mains sont là. Mais je retournerai pas. Oui. Mais je comprends pas plus. Je comprends pas plus. Wow. Je suis stressé. Je suis stressé. Ah. Fait que c'était ça, gang, un jeu très court. Personnellement, l'ambiance était vraiment bien faite. Encore une fois, là, comme d'autres jeux qu'on a fait qui durent quelques, tu sais, 15, 20, 30 de minutes, encore manque d'histoire. Tu sais, oui, il y a une certaine ambiguïté de qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, c'est une station de métro qui était hantée ou quelque chose de ce genre-là. C'est un bon jeu, par contre. Sérieusement, l'ambiance, comme je disais tantôt, A1, pis c'est ça la raison. C'est ça la raison parce que je voulais jouer à ce jeu-là, c'était pour voir l'ambiance quoi qu'elle avait de l'air. Donc, gang, si vous avez aimé la vidéo, je vous rappelle, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. On a joué aujourd'hui à Golgotha. Et c'était Markcraft, tout le monde, je vous dis à la prochaine fois. Salut!